As-tu trouvé le livre que je t'ai demandé, Bastien? Non, papa, il l'avait pas. Par contre, j'ai trouvé ce que je cherchais. Oh? Et même davantage. Waouh, la libraire a dû le mettre dans mon sac, croyant que c'était à moi. C'est lui qu'il trouve le garde. Oh, bravo! Quel dommage! Qu'est-ce qui est dommage? Le livre, j'avais hâte de le lire. Ah! Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, non, papa. Je vais aller voir Monsieur Coriander. Il l'a peut-être en rayon, lui. Salut! Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que c'est? Très joli. Je me demande à qui ça appartient. Une chose mystérieuse avait commencé à envahir Fantasia. Au début, personne ne sut ce que c'était ni d'où ça venait. Mais tout le monde se rendrait bien vite compte des bouleversements irrémédiables auxquels Fantasia est exposée. C'est déjà la nuit ? Qu'est-ce qu'il fait noir ? Comme tu as raison, mon ami. Il n'y a aucune étoile. Qui es-tu ? Un veilleur de nuit. Nous fuyons la lumière du jour pour embrasser la nuit, mais un ciel dans lequel pas la moindre petite étoile ne brille. Je n'en avais encore jamais vu nulle part à Fantasia. Mais ce n'est pas une nuit ordinaire. On dirait que c'est autre chose. Tu as une nouvelle fois raison. Toutes les horreurs que l'obscurité peut renfermer ne valent rien comparé à ce qui se passe là-haut. Voilà 3 jours que nous sommes dans le noir, Bastien. L'obscurité se répand de plus en plus vite. Je suis très préoccupée par le sort de Fantasia. Qu'est-ce que c'est, petite impératrice? Le souffle des ténèbres. Bientôt, Fantasia sera entièrement plongée dans une nuit éternelle. Et alors, comme les arbres et les fleurs, tous les Fantasiens dépériront. Xaïd, elle doit se cacher là-dessous. Je pars pour le château de Rock. Attends, Bastien. Je ne sens plus la présence de Xaïd à Fantasia. Quoi? Je sens qu'elle est la première victime du souffle des ténèbres. Oh, je vous en supplie. 3 têtes? Qu'est-ce qui t'amène à la tour d'ivoire? C'est ma reine. Elle a besoin de votre aide. Je sais bien, elle avait des défauts, mais... Elle était la seule maîtresse que nous ayons jamais connue. Est-ce qu'elle est? Oh non, au contraire, elle est bien vivante, mais... Comme si elle avait été ensorcelée. Le souffle des ténèbres? Apparemment, elle l'a créé en mélangeant toutes sortes de potions magiques, dont elle a trouvé les recettes dans ce livre. Je ne pense pas qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tout à coup, on entendit un énorme pouf et le souffle des ténèbres lui sauta littéralement au visage. Bien. Et maintenant, il se propage de façon incontrôlable. Non. Alors, comment va-t-on l'arrêter? J'ai bien peur qu'il y ait que Xaïd qui puisse nous le dire. Bien. Mais elle est... Tu peux certainement nous aider à trouver un moyen pour que Xaïd ne soit plus sous l'emprise du souffle des ténèbres. Personne ne sait de quel sortilège il s'agit, ni comment le rompre sauf Xaïd. Mais elle seule est à même de te dire comment enrayer le mal qu'elle a causé à Fantasia. Tu dois nous aider à réanimer notre maîtresse. D'accord.
D'accord, mais chaque chose en son temps. Où s'est-elle procuré ce livre? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je le trouve un peu petit pour appartenir à Xaïd. Ah, oui, celui-là, oui, je crois qu'il fait partie de ses nouvelles acquisitions. C'est pas difficile de deviner à qui elle l'a pris. On n'a pas beaucoup de temps. Oh, que va-t-il faire, Nimbly? Je n'en sais rien. Et nous, qu'allons-nous faire? Le livre! On pourrait peut-être s'en servir pour trouver le moyen de rompre le sortilège. Oui, mais trois têtes, si on faisait des bêtises. Au point où nous en sommes. Le souffle des ténèbres est en train de tout recouvrir. C'est pire que ce que je pensais, Falcor. Bien pire. Le premier problème, c'est d'essayer de se frayer un chemin là-dedans. Crois-tu que tu en sois capable? Avec un peu de chance, accroche-toi! Es-tu certain que ce soit des dents de Narf? Oui, c'est écrit en toutes lettres. Des dents de Narf. Oh! Souhaitons seulement que cela réussisse. Ce n'est pas l'expression que j'emploierais. On n'a plus qu'à tout recommencer. Je n'y vois rien, Falcor. Tu crois qu'on est proche? Trop proche. Cramponne-toi. Sa perlipopette. Qu'est-ce que c'était? Comme si on n'avait pas assez d'ennui avec cette affreuse obscurité. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va avoir de mes nouvelles. Engiwak, Urgel. Ce qu'on appelle une visite surprise, pas vrai? Voilà pourquoi je ne retrouvais plus mon livre de recettes. Je sais fabriquer des potions pour soigner des verrues à un crapaud. Il est cataplasme pour rendre les fruits amers plus sucrés. Mais sans mon livre de recettes, je ne peux pas faire grand-chose, Bastien. Dis-moi, Urgel, ce livre, il contient bien la formule pour créer le souffle des ténèbres? Ah non, certainement pas. Mais s'il existe une personne assez folle pour mélanger les recettes, alors tout peut arriver. De toute évidence, il y en a une. On peut faire voler un troupeau d'éléphants si on est imprudent. Je pense qu'il serait préférable d'avoir un petit tête-à-tête avec Mademoiselle la sorcière toute puissante. La tâche ne sera pas facile. Je t'ai dit d'arrêter de pointer ton museau sur moi. Xaïd est plongée dans un profond sommeil. Ce n'est pas étonnant. Elle n'est déjà pas capable de suivre une simple recette. Il n'y a qu'elle qui sache comment arrêter le souffle des ténèbres. Alors je suppose que c'est à moi de rompre le sortilège. Je vais faire démarrer le coucou rafale. Tu crois que tu en seras capable? Je peux toujours essayer. Il faut mettre un terme à ce désastre, et vite. Regardez Mégazonia, il commence à se faner. Fais ce que tu peux. Nous, on va essayer de trouver le moyen de ralentir le souffle des ténèbres. On devrait peut-être s'arrêter là pendant qu'il est encore temps. Apporte-moi la poudre de chauve-souris. Sans crier. Thank you.
au travers. On l'a rattrapé. On peut peut-être se placer devant lui pour l'obliger à ralentir. Qui ose se mettre sur le chemin du souffle des ténèbres? Il parle. Bastien Balthazar Bugs. Tu entraves ma mission et ma raison de vivre. Bientôt, toute lumière à Fantasia ne sera plus qu'un souvenir. Alors, les ténèbres et la nuit éternelle régneront en maître suprême. Mais moi, j'en connais quatre qui pourraient le combattre avec un peu de chance. Quoi, quatre? Les dieux du vent, bien sûr. Allons les trouver. Qu'est-ce que c'est, Falcor? Une tempête? Un ouragan? Non, lève les yeux, tu comprendras. Les dieux du vent! Je persiste à dire que tu es incapable de souffler une bougie d'anniversaire. Ah oui? Un conseil. Raconte-toi ton nuage si tu ne veux pas que je te souffle ta place. Taisez-vous donc, vous êtes parfaitement ridicule. Sans vouloir me vanter, j'ai plus de souffle que vous trois réunis. Bonjour! Excusez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit grain de poussière. Voyons, où en étais-je? Ah oui! J'allais vous parler de mon typhon, le plus beau du siècle. Oh non, voilà qu'il recommence. Ils sont trop occupés à se disputer. C'est le problème avec les dieux du vent. Ils sont toujours en train de se chamailler pour savoir qui est le meilleur. Ça me donne une idée. J'ai besoin d'aide. Ah, tu vas, petit. Je ne vois pas que tu déranges. Je n'ai pas besoin de vous tous. Uniquement du plus fort. Du plus fort? Oui, pour combattre le souffle des ténèbres. Je regrette, messieurs, mais je dois partir. La poussière a besoin de mon aide. Ah, retiens ta brise, ballon de baudruche. Je suis le seul parmi nous qui soit capable de renvoyer ce je ne sais quoi, je ne sais où. Pas question. Laissez-moi faire. Non, c'est moi. Moi qui croyais que ça les calmerait. Suivez-nous, il n'y a pas une minute à perdre. Je t'avais bien dit que tu avais un peu trop forcé sur le concentré de moisissure. Enfin, au moins, nous sommes redevenus... normaux. Oui, mais j'ai peur des effets secondaires. Ah! Alors bon, de quoi s'agit-il cette fois? Oh non! Quel genre de monstre? Quelle sorte de choses abominables avons-nous créé? Poussez-vous de là! Il est temps de laisser les professionnels réveiller la belle au bois dormant. Il arrive! Mettez-vous tous les deux à l'abri! Si vous n'avez encore jamais vu les vents déchaîner leur colère, alors ouvrez grand les yeux! À quatre contre un, espérons qu'ils fassent la différence! Rien n'est perdu.
personne ne doit se tenir sur mon chemin. Oh non! Il est en train de les encercler! Vous êtes à moi! À présent, je suis 4 fois plus fort! Qu'avons-nous fait? C'est affreux! Un bout de clair de lune, un rayon de soleil et un soupçon de larme de dragon. Et ça? Ma garantie. Voilà, cette potion devrait soit la réveiller, soit la changer en grenouille cracheuse de feu. C'est un jour de bonheur. La sieste est terminée. Il y a du travail qui nous attend. Oh, quel sommeil épouvantable. Qu'est-elle venue faire chez moi? Vous vous rappelez du livre que vous m'avez emprunté? Il serait temps de me le rendre. Faites-la sortir! Si vous ne vous sentez pas bien, regardez plutôt dans quel état vous avez plongé le reste de Fantasia. C'est donc ça! Aide-moi, alors ensuite je t'aiderai! Non, pas question! Vous n'avez donc pas l'intention de me rendre l'appareil? Quoi? Et perdre ainsi toute chance de voir Fantasia recouverte, étouffée par une nuit éternelle? Tu veux rire? Pas du tout, vous allez m'aider à nous débarrasser du souffle des ténèbres, Xaïd. Jamais! Qu'est-ce que c'est? Ma garantie. Eh bien, soit. Je vais te dire quelles sont les formules que j'ai mélangées. Et vous m'aiderez à annuler leurs effets, et vite. Si je peux. Bastien, regarde. On dirait qu'il se bat contre quelque chose. Personne! Ou quelqu'un! J'ai l'impression qu'Urkel a délivré Xaïd. L'heure des retrouvailles a sonné! Accroche-toi! Yahoo! Attends un peu, sale poison! Personne ne peut m'arrêter! Respire-moi cet air, Bastien. Sens comme il est pur! Soleil. Voilà les ingrédients indispensables pour une belle journée. Sauf si Xaïd était arrivé à ses fins. Tu crois qu'elle se souvient de quelque chose? Eh bien, son esprit est encore un peu confus, mais je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre en moins de 2. Se moque de ce minable souffle des ténèbres. Je suis ravie d'être débarrassée de ces horribles oreilles roses pleines de poils. Penses-tu qu'on devrait lui dire? Je pense qu'elle s'en apercevra bien assez tôt. Xaïd apprit qu'il ne fallait pas voler parce qu'au bout du compte, cela n'apportait que des ennuis.
Bastien et Falcor vécurent beaucoup d'autres aventures. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour, Pa. Salut, Pa. Je reviens tout de suite. Je dois aller rapporter quelque chose à la librairie. Pas de problème, tu as tout le temps. Je n'ai pas commencé à préparer le dîner. Je n'arriverai jamais à enlever cette maudite tâche.